Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne YouTube, le nouveau mois Rosemary. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces graines miraculeuses dont beaucoup d'entre vous ignorent encore les bienfaits. Mais avant d'en rentrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner, liker et commenter, mais aussi pensez à la clochette de notification. Mes amours, ces graines que vous voyez là étaient utilisées pour leurs vertus nutritionnelles au temps de l'Égypte antique et même encore aujourd'hui en médecine chinoise. Les graines de lin aident à prévenir certaines maladies et aident à garder la ligne. Les fibres solubles aident à lutter contre la constipation et à réduire le mauvais cholestérol dans le sang. Leur phytoestrogène diminue les bouffées de chaleur pendant la ménopause et sont associés à la baisse de risque de cancer du sang. Leur acide gras oméga 3 sont bénéfiques pour votre cœur. Voici toutes les bonnes raisons de profiter de ces graines méconnues. Pour la santé cardiovasculaire, nombreuses études ont prouvé l'effet protecteur des oméga 3 sur l'organisme et sur le système cardiovasculaire en particulier. En baissant le taux de mauvais cholestérol, les artères courent moins de risques de se boucher. Et les amours, si vous suivez un traitement pour réguler le taux de cholestérol, parlez à votre médecin de l'éventualité d'ajouter les graines de lin que voici à votre régime alimentaire. S'il n'y voit aucun inconvénient, vous pouvez intégrer environ 20 g de graines moulues par jour dans vos recettes alimentaires. Ceux-ci agissent notamment sur le système immunitaire, sur la régulation de la tension et favorisent la baisse du cholestérol et des triglycérides. Pour bénéficier pleinement des vertus de leurs oméga 3, il est nécessaire de moudre les graines de lin et de les mastiquer comme nous le verrons plus loin. Ils sont également très bien pourvus en acide gras oméga 6, indispensable pour notre organisme pour perdre du poids. Mes amours, les graines de lin sont capables d'absorber l'eau des aliments et se gonflent dans votre ventre comme des éponges. Résultat, ils agissent en tant que laxatifs et stimulent le système digestif. Elles sont donc d'excellentes alliées dans un régime amaigrissant. Bien sûr, si vous n'en abusez pas, entre autres, elles peuvent apporter des bonnes graisses à notre alimentation, brûler les mauvaises graisses et nous aident à nous sentir plus vite rassasiés et surtout plus longtemps rassasiés. N'hésitez pas à ajouter de la farine de grains de lin à vos plats, à vos desserts, si vous voulez vous faciliter la perte de poids bien sûr. Mais encore, il faut en consommer régulièrement, mais pas n'importe comment. Je vais vous présenter quelques conseils ainsi que les bienfaits que présentent ces petites graines sur votre organisme. Alors vous allez me dire, oui Rose, comment consommer ceci? Pour bénéficier pleinement des bienfaits des graines de lin, il est nécessaire de moudre ceci. Soit vous les écrasez, soit vous les broyez. Même si vous avez un pilon, comme vous pouvez le voir, utilisez le pilon pour écraser ceci, d'accord? Ou même un moulin à poivre, un pilon, un mortier, une pierre écrasée, tout ce que vous avez sous la main, c'est pareil. Donc, sans cette manipulation, lorsque vous allez aller aux toilettes, les graines vont sortir simplement intactes et vous n'aurez profité d'aucun bienfait de ceci. Donc voilà, il est préférable de broyer les graines un peu de temps avant de les consommer parce que les graines broyées ne se conservent pas très longtemps. Quelques jours tout au plus au réfrigérateur, à l'opposé des graines entières comme vous pouvez le voir qui peuvent se conserver plusieurs mois dans un endroit sec. Mes amours, les graines de lin peuvent être consommées dans de nombreuses recettes. Dans des salades, dans des crudités, dans des mousselis, dans des tartes, un petit peu partout. Donc, bien sûr, pour conclure tout ceci, sachez aussi que l'huile de graines de lin est composée à 58% d'acide alpha-linolénique. Je vous recommande d'utiliser à peu près une cuillère à soupe d'huile de lin dans vos alimentations. En cas de constipation, il faut consommer les graines de lin pendant plusieurs jours. Ça peut avoir un effet laxatif, mais pas avant 24 heures. Donc, les graines de lin entières ne sont du tout pas recommandées pour les personnes qui souffrent du syndrome du côlon irritable. Et bien sûr, mes amours, je vous conseille de privilégier ces graines bio. Donc voilà, à vous de faire, mes amours. N'hésitez pas à en acheter, à consommer tout le temps. Vous connaissez toutes les vertus et les bienfaits de ces graines. Maintenant, vous le savez, mes vidéos se veulent simples, faciles, rapides, très accessible pour tout le monde et c'est pourquoi je vous invite à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Ça vous aidera à sauver de nombreuses vies et à rendre le monde meilleur. Donc à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner et pensez à ma nouvelle chaîne Rosemary naturopathe. Bisous bisous.